drill and then you'll die. Et bonjour tout le monde, c'est WebZarten. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch. Donc un glitch pour le don de véhicule 100% solo, d'accord. Donc avec vraiment, donc pas de timing. Avec seulement, il va vous faire falloir un centre d'opération mobile avec le module 3, dépôt de véhicules personnels. Avec aussi un entrepôt de véhicules, avec des véhicules spéciaux bien évidemment à l'intérieur. Que ce soit le Speedo, le Mule, le Pounder, le Phantom, peu importe le véhicule spécial. Il vous en faut un. Ensuite, il va falloir la tenue buggée, donc de plongée, d'accord. Donc ça, je vous l'ai montré dans la dernière vidéo pour le glitch à don de véhicule. Pour se bugger, donc c'est simple, on prend une tenue de plongée, on l'achète et on va directement aller à un point d'eau. Dès qu'on est à un point d'eau et que ton personnage touche l'eau, on va directement changer de tenue. Ça va nous faire bugger, ça va pas nous valider la tenue qu'on a choisie, ça va rester sur la tenue de plongée et ça va faire spawn des bouteille d'oxygène à l'infini. Donc là, je vais juste chercher mon centre d'OP, d'accord. Et on passe directement à la manip et on se retrouve directement à l'entrepôt de véhicules. Allez, une fois arrivé à l'entrepôt de véhicules avec le centre d'OP, on va donc le garer à proximité de l'entrepôt. Et il vous faut également une héligière H8 dans le centre d'opération mobile, c'est très important pour la réalisation du glitch. Allez, donc là, je monte dans mon centre d'OP, d'accord. Alors, petite précision, on va falloir avoir un ami en visée différente. Donc, pas en solo, semi-solo, comme vous voulez, mais moi je dis ça en solo parce que on a toujours quelqu'un en visée différente de toute façon. Donc, je sors la Elegy, d'accord. Je la place donc derrière le centre. Voilà, donc je vais la placer là. Peu importe, hein, je vous l'ai dit, peu importe. Avec notre tenue buggée, on va directement aller dans le Securo Serve, faire gérer l'organisation, style, faire flèche de gauche, flèche de droite. Flèche de gauche, flèche de droite. Une quinzaine, voire vingtaine de fois, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. Faire spawn 15 bonbonnes d'oxygène. Donc là, je fais spawn des bonbonnes d'oxygène, d'accord. Allez. Donc là, vous voyez, ça fait bien un petit tas. Alors, ne perdez pas de vue les bonbonnes d'oxygène. Sinon, ça ne marchera pas. Le glitch ne marchera pas. Puisqu'elles vont s'enlever automatiquement. C'est pour ça que je vous ai dit de garer votre véhicule à proximité du centre d'opération mobile. Allez, donc là je fais spawn des bonbonnes d'oxygène, d'accord. Allez, j'en fais spawn encore 5. Allez, hop, c'est bon. Donc là ça suffit, c'est terminé. Allez, une fois les bonbonnes d'oxygène spawn, on va monter dans les gears H8 et on va devoir monter dessus. Là, va falloir faire plusieurs fois flèche de droite de faire en sorte que le véhicule rentre dans le centre d'opération mobile, d'accord. Donc là, je fais flèche de droite, flèche de droite. Je peux pas. Flèche de droite. Ça nous fait un écran noir. On fait flèche de droite. Et là, ça nous fait rentrer le véhicule dans le centre d'OP. Donc là, c'est terminé. On sort de la remorque, d'accord. Donc là c'est pas terminé, c'est presque terminé. On va commander un véhicule spécial. Donc pour ma part je vais commander donc un Phantom Wedge, hein, comme je vous l'ai dit, peu importe le véhicule spécial. Allez, on a bientôt terminé. On attend que le Phantom Wedge il spawn. Il devrait spawn à côté de nous. Voilà. Une fois que le Phantom Wedge a spawn, ou la Runner 2000, le buggy ramp, la roquette, peu importe, hein, il faut un véhicule spécial. Donc, on monte dedans. On va rentrer dans le l'entrepôt de véhicules, d'accord. Au moment où on rentre dedans, on va remarquer qu'on va avoir un petit chargement infini. Donc ce chargement infini, il va falloir rejoindre un mec en visée différente. Donc je fais double PS. Allez, je rejoins notre ami en visée différente. Donc je fais croix et je refuse le deuxième message. On spawn comme ça, invisible. Et là c'est terminé, on spawn directement au lieu du don.
Donc, au lieu du don, on n'a plus besoin de rien faire. On est buggé et prêt à recevoir des véhicules. On a les armes, on a la carte, c'est parfait. On est buggé, on a fini le glitch de don de véhicules. Donc là, c'est le nouveau que je vous sors. Et exclusivité, du coup, les gens, n'hésitez pas à en profiter un maximum. Le glitch de PDG sortira bien avant celui-là. Mais il sortira dans la journée, le glitch que je viens de vous présenter. Allez, j'espère qu'il vous a plu. Profitez-en un maximum. Partagez-le au maximum pour vous bugger entre vous en session. Récupérez un maximum de véhicules. Vous êtes bugué tant que vous ne mourrez pas. Vous êtes complètement bugué. Donc là, c'est terminé. Le glitch est fini. Allez, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Wayzarten. Ciao!